Bonjour à tous, vous êtes de retour avec nous pour le 9e épisode de 7 Days to Die en solo. Alors la dernière fois, on a commencé à faire nos défenses et depuis ce temps, j'ai ramassé une tonne de ressources pour préparer la préparation du jour 7 de la Horde. En fait, dans un peu plus de 24-36 heures à peu près. Alors pour ce qui est de la base, présentement, j'ai complètement terminé, si on veut, la phase 1, qui est de bâtir un endroit qu'on peut pas entrer. Donc les zombies pourront pas entrer ici, j'ai fait tout ça en cobblestone. Et vous allez remarquer tout de suite que même moi je peux plus entrer. Alors c'est intéressant parce que entre les épisodes, lors de la nuit, entre le jour 5 et le jour 6, je me suis, j'allais dire procuré, mais c'est pas le bon mot, je me suis équipé d'une deuxième sortie, en fait d'une sortie de secours. Que je vais devoir indiquer sur la map qui est ici. J'ai fait un tunnel parce que j'ai commencé à creuser durant la nuit sous terre pour trouver de la pierre avant de réaliser que j'avais complètement oublié que dans le désert, soit il n'y a pas de roche ou de pierre dans le underground ou c'est vraiment très creux. Alors il n'y a pratiquement que du sable qui est très, très facile à miner avec une pelle. Donc avec chaque coup de pelle, on obtient... À la surface, ici, j'obtiens seulement 10 sands, mais en sous-sol, on obtient 4 sands et 2 stones. Alors, j'ai une tonne de stones et de sands parce que je me suis fait un tunnel souterrain qui part de mon bunker et qui se rend dans notre point d'entrée et de sortie de notre base à l'avenir. Alors, je me suis fait un tunnel souterrain qui se rend jusqu'ici, évidemment, dans le bar à Buzz Bar. Pas de porte. J'ai mis un hatch ici. Excellent. Une échelle qui descend, bien sûr. On descend en bas ici. On a un beau petit tunnel 3x3 qui se rend jusqu'au bunker. Est-ce qu'il me reste une torche? Non. J'aurais aimé avoir une torche sur le mur à la fin. En fait, ce que je vais faire, je vais prendre la dernière torche qui est complètement au bout ici, qui est moins utile pour l'instant. Et je vais la placer tout au bout. Près du mur du bunker, donc ça va être l'entrée principale de notre base pour l'instant. Nice. Excellent. Donc j'ai mis une porte ici, une entrée qui arrive directement sur mon storage. Donc vous pouvez voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5000 à peu près, 5000 sands. Il me reste un peu moins de 5000 de bois. Pour la pierre, j'ai 2200 environ. Alors c'est pas si mal, je me suis fait du cobblestone d'extra, je vais en faire d'autres éventuellement avant la 7e journée pour réparer durant l'attaque de la Horde si jamais c'est nécessaire. Sinon j'ai looté un peu les bâtiments de basse qualité aux alentours, j'ai rien trouvé de vraiment intéressant, j'ai trouvé du duct tape, un peu plus de duct tape, un peu plus d'argent, de papier, trucs comme ça, mais rien de très intéressant. Pour aujourd'hui... En fait, l'épisode d'aujourd'hui va fort possiblement contenir la horde du jour 7, parce que ce qui me reste à faire pour le côté défense, ça va être ceci. Ah, j'ai mon marteau ici, parfait. Est-ce qu'il me faut des frames? On va prendre quelques frames en bois. Et je pense que c'est pas mal tout ce qu'on va avoir besoin. L'échelle, on n'en aura pas besoin, je crois. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner à la surface. Il va nous falloir une tonne de bois pour la journée de la Horde, pour faire nos défenses. Et c'est un peu ce qui est un peu plus chiant dans le désert, le bois, puis je réalise que le métal aussi. Parce que dans le souterrain, il n'y a pas de pierre, ou du moins je me suis pas rendu encore assez creux pour qu'il y ait de la pierre, donc ça peut être un problème pour l'instant. En fait, ce que je voulais faire, c'est venir ici pour terminer de réparer ou d'upgrader mes trucs. Donc, ça va être un peu une espèce d'épisode de construction aujourd'hui pour tenter de terminer la construction de ma première source de défense, première étape, si on veut. Et voilà, il doit en rester deux là-bas. Parfait. Ce que je vais faire par contre, je vais détruire les rampes ici. Je vais mettre deux de large de bois ici, à la place. Alors, on détruit tout ça. En fait, ce que je vais faire, je ferai les modifications hors caméra. Ça va être moins long, moins ennuyant pour vous tous. Donc, mon plan
finale, ou en 10 moins pour la deuxième horde au jour 14, sera d'avoir deux rangées tout le tour de bois avec une rampe, puis les deux rangées vont contenir des barbelés. Je me souviens plus quand, si c'était bien cher. Barbed wire fence. Donc c'est du métal. Donc c'est pas si mal. 106. On va commencer par 20 par exemple. Juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc on va continuer de mettre notre lisière de bois tout le tour. Et en même temps, ça va monter notre niveau de construction. Donc on risque de prendre quelques niveaux d'expérience. Donc ça ici, on va se souvenir que ça ici, ça va devenir des blocs éventuellement. Donc cette plateforme-ci sera pour, premièrement, me donner une bonne vue sur les zombies. Parce que je vais faire une plateforme ici sur le toit aussi pour pouvoir attaquer avec des crossbows et des armes à feu éventuellement. À distance. Ici. Et aussi, je vais devoir détruire le bâtiment ici éventuellement. On risque de faire ça au TNT, ça va être plus efficace. Excellent, donc ça. Donc on met tout ça niveau 1 en bois. Parce que de toute façon, les zombies ne devraient pas attaquer ça, donc on devrait être correct de ce niveau-là. Oups. C'est pas bien grave. Un petit 10 bois de perdu. Pour la première horde, on veut au moins avoir une lisière de barbelés tout le tour de notre défense. Les barbelés qui sont très intéressants parce qu'ils vont ralentir drastiquement l'approche des zombies. Alors si je vérifie, est-ce qu'on peut le mettre en diagonale? Négatif. Donc ça va être quelque chose comme... Je vais faire un peu l'exemple du côté que j'ai déjà commencé à faire des défenses. Donc ici, on va être comme ça. Un peu du genre pour la première horde. La deuxième horde, je vais ajouter sûrement un autre état, une autre lisière comme ça. Et je vais avoir... Je vais avoir trois largeurs de pieds ici. Et plus les jours avancent, plus on a de ressources, on va pouvoir juste agrandir avec d'autres lisières de barbelés comme ça. D'autres lisières de pieux et alterner de plus en plus pour offrir une défense plus efficace. Donc pour ce qui est des wood frames restants, je vais les utiliser pour... Premièrement... avoir un accès plus rapide, temporairement, à la base. Et je vais faire une deuxième plateforme ici. Est-ce que je vais faire une 3 de haut? Je pense que oui. En fait, il va me manquer un truc de cobblestone ici. Ce que je vais faire... Est-ce que je veux tout ça en cobblestone? Oups. Une très bonne question. On va aller chercher ça en bas ici. Je veux peut-être avoir ça en cobblestone, du moins pour l'extérieur. Donc on va prendre mes cobblestone frames. On va se prendre des plant fiber pour faire d'autres cobblestone frames. Et j'ai assez pour 19 blocs seulement. Donc cobblestone frame. On va faire une vingtaine. On crève ça, on remonte à la surface. On met ça dans la barre rapide. On remonte ici. Oups. En fait, ce que je vais faire, je pense que en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre le hatch dans l'autre direction pour pouvoir avoir l'échelle. Non, ça n'aurait pas fonctionné de toute façon. Si je fais ça, oups, pas toi, toi ici. Juste une autre façon de monter en haut ici. Je vais mettre mes cobblestone frames sur le dessus, comme ça. Parfait. Donc la raison pour laquelle je mets des cobblestone frames et non du bois pour le tour, c'est qu'éventuellement ce que je vais faire, ça va être il m'en manque combien? 1, 2, 3 cobblestone frame. Ce que je vais faire éventuellement, ça va être de mettre des iron bars ou des iron bars à l'horizontale attaché sur les blocs ici pour pouvoir attaquer à l'extérieur. Alors, on upgrade tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir l'upgrader avec du béton lorsqu'on en aura. On va pouvoir passer du cobblestone au béton directement, donc ça va être intéressant. Donc,
On upgrade tout ça. Encore une fois, on va obtenir plusieurs niveaux de construction. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ceci, parfait. Alors, ce que je vais faire ensuite, je vais... sûrement faire une coupure au montage. Nos arbres commencent à pousser un peu ici. Mais ce que je vais faire, je vais devoir aller trouver... aller récolter une très très grande quantité de bois. Ça va sûrement être quelque chose de plus d'une journée in-game. Je vais sûrement passer le reste de la journée qui reste, la journée 6. Donc sûrement de quelque chose comme 11h à 21h, je vais ramasser du bois sans arrêt, sans arrêt. Puis je vais revenir passer la nuit ici. Puis ensuite je vais encore une fois retourner chercher du bois pour la 7e journée jusqu'à... En fait je verrai si j'en ai assez. Idéalement, le début de la 7e journée sera consacré à la mise en place des dernières défenses. Est-ce que j'ai encore du bois ici? On va faire cuire un peu de métal. Parce qu'il va nous falloir... si possible, des iron bars comme ça ici. Qui prennent beaucoup de métal. Chacun. Alors, j'aurai définitivement pas assez de métal pour faire ça. Ça prend 100 scrap chacun. Waouh! Je vais devoir aller m'établir une mine dans un biome autre que le désert. Je sais pas s'il y a des métaux ici. Ça pourrait être très intéressant d'aller voir s'il y a du métal. Pour l'instant, on va s'en tenir à ce qu'on a. Ce qui est pas vraiment beaucoup pour l'instant. Donc je vais continuer à faire des Forge Iron pour l'instant. Un autre 8. J'ai aussi débarré le skill... Workbench, éventuellement pour en faire une. Si je vérifie la recette. Workbench, il nous faut une wrench, un clamber, du bois qu'on a, du forge iron qu'on a, et des mechanical parts que j'ai commencé à récolter. J'en ai pas assez par contre. J'en ai 14, il en faut 25. 20. Alors il en manque quelques-unes. La workbench, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'utilité. On peut l'utiliser pour réparer les outils ou les armes. Ou réparer un peu tout ce qu'on veut sans avoir des pertes de durabilité ou de qualité sur l'arme ou sur l'item qu'on répare. Ça permet aussi de combiner des items identiques pour les faire monter de niveau ou de qualité. Donc si par exemple on met deux arcs ou deux crossbows niveau 100 et qu'on les combine, on va obtenir une crossbow par exemple niveau 115 ou 110 ou quelque chose comme ça. Et on peut crafter des items plus haut niveau de cette façon-là. Alors c'est assez intéressant. Si vous voulez voir un petit tutoriel sur les workbench, il y a Linz qui est la personne qui a organisé les Hunger Games la dernière fois, qui a un tuto là-dessus qui est assez intéressant et très bien fait. Alors je vais mettre à l'écran, je vais avoir une notification ou un lien dans la vidéo présentement. Alors vous allez pouvoir cliquer là-dessus pour aller voir le tutoriel. Pour en apprendre plus sur les workbench. Ça va pas ici. Donc pour l'instant, les wood frames, on peut les serrer. Barbed wire fence. Il va en falloir plusieurs. Donc on va faire des barbed wire fence. Et je vais à l'instant même faire une coupure au montage. Et on va se retrouver dans quelques secondes. Potentiellement au début du 7e jour pour finaliser nos défenses. Espérons-le, qui seront assez puissantes pour survivre la horde du jour 7. Alors restez là, on se retrouve tout de suite. Alors, nous sommes de retour. J'ai passé la journée 6 pratiquement en entier à récupérer du bois. On a récolté à peu près 15 000 bois et je suis en train de faire du crafting pour environ 5 000 ou 7 000 de bois. En train de faire environ 80 wood spikes et 100 quelques wood log spikes pour notre défense avant la journée 7. Et je crois avoir sûrement assez... j'ai mis ça ici, je crois, ou je les ai sur moi. Je crois peut-être avoir assez de barbed wire fence pour faire une lisière de barbed wire fence tout le tour de ma zone de défense. Alors, pour l'instant, on est en pleine nuit et j'en ai pour encore 15 minutes ou 16 minutes à crafter. Alors, pour l'instant, ce que je voulais vous montrer, c'est le début de la mine que j'avais commencé à faire, à tenter. Mais j'ai pas réussi à trouver de stone. Alors c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a peut-être pas de stone dans le désert. J'ai jamais vraiment eu de base dans le désert, alors c'est la raison pour laquelle j'étais pas au courant. Mais c'est bien à savoir. Ce que je pourrais faire, je pourrais briser... trop long. J'allais dire je pourrais briser les safes, mais pour l'instant, ça va attendre.
Alors oui, je pense que je vais refaire une dernière coupure encore une fois. Je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, ce que je faisais. Alors encore un 15 minutes de crafting et ensuite ça va sûrement être le début de la journée. Et on va pouvoir... En fait, plus ça avance et plus je me dis qu'on attend qu'on va pas se rendre à la horde pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors ça sera sûrement à l'épisode 10. Parce qu'on approche, on a dépassé 15 minutes déjà et je vais en avoir encore pour au moins 5 minutes certainement pour juste placer les défenses et les améliorer et tout. Alors on verra en temps et lieu, mais je crois pas que la horde va être cet épisode-ci parce qu'une horde ça peut être un autre 10-15 minutes assez facilement. Alors je vais pas faire un épisode trop long non plus, dépasser les 35 minutes. Alors je vais terminer le craft de tout ça qui va sûrement coïncider peut-être même plus tard que le début de la journée. Il est déjà dépassé minuit. Alors, on se retrouve une dernière fois dans quelques instants pour la finalisation de notre défense de jour 7. Alors, merci et à dans un instant. Et nous sommes de retour pour le dernier Blitz. On est à 3h57. Alors, je crois que je vais commencer à remonter tranquillement. On a encore... On a encore pour 8 minutes à crafter des wood spikes, mais ce sera les derniers qu'on va devoir placer de toute façon. Alors on peut commencer à placer nos défenses pour ce qui est du reste. Alors ce que je vais faire, premièrement je vais traverser l'autre côté. J'ai mis mes frames pour revenir, parfait. Il va falloir que je ramasse de la clé aussi pour finir le cobblestone au top ici. Alors on va commencer à placer les pieux, les pieux en log. Alors, on va mettre ça comme ça. Et en fait, j'ai complètement oublié de me traîner ma repair, pas ma repair, mais mon claw hammer pour faire les upgrades des spikes. Alors, je vais devoir revenir à l'intérieur quelques secondes. Aller chercher du bois supplémentaire et des claw hammer. Ou juste un, ça sera suffisant. Alors, ça ici... On va se prendre un... On va en prendre plus que pas assez. Tiens, ça ici, et Clamor, peu importe lequel, à la place du Hunting Knife, qui n'est pas utile pour l'instant, on n'ira pas à la chasse. Donc, on en était ici. Donc on va en placer deux ou trois à la fois. Deux ou trois lisières. Et on va devoir aussi upgrader. Alors, on va cesser un peu de jeu, voilà. Les pieux seront malheureusement pas en métal pour la première horde. Comme je l'expliquais en début d'épisode, on n'a pas vraiment beaucoup de métal dans cette région-ci du monde. Alors malheureusement, on va devoir s'en priver. Ça, ça, parfait. On va devoir monter de l'autre côté lorsqu'on va revenir. En fait, ce que je vais faire, je vais canceller ça et les refaire par la suite. Il m'en restait 17 à faire. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir avoir nos pieux en log spike pour pouvoir les placer. Donc, le temps qu'on upgrade tout ça, il y en a quelques-uns qui vont se crafter en bas à droite. Oups, ici... Excellent. Il va nous falloir aussi de l'éclairage, pas très loin, pour pouvoir voir ce qui s'en vient. Alors ce côté-ci est pratiquement fait, on va commencer à placer nos barbed wire fence pour avoir une idée aussi si on va en avoir assez. Et je viens de voir qu'on peut les placer sur les spikes. Ça pourrait être intéressant à essayer éventuellement. Et pour le coin, on va les faire en face comme ça. Excellent. Donc, level up. Donc, les pieux en bois qui coûtent extrêmement cher, ceux-là-ci, vont ralentir les zombies et leur faire beaucoup de dégâts. Et les barbed wire spike, barbed wire fence, vont ralentir les zombies et faire un peu de dégâts. Donc, ça va être intéressant de voir à quel point c'est efficace ou si ça ne l'est pas. Est-ce qu'il me reste encore des trucs à faire? Oui, il m'en reste pour 1 minute 30. On devrait en avoir assez pour finir ce côté-ci. Au moins. Et voilà. Ceci.
Donc aussi, restez à l'affût dans les prochains jours. Il va y avoir en fait deux nouvelles séries, Seven Days to Die, que je peux pas encore divulguer, mais qui vont être en enregistrement bientôt. Et les deux séries vont être du multijoueur. Alors ça va être intéressant à voir avec d'autres personnes. Excellent, voilà. Nice. Donc on continue à mettre nos barbelés devant ici. Parfait. Est-ce que je les ai mis comme ça au bout ici? Je pense que oui. Je suis quelqu'un de très perfectionniste et je veux que tout soit symétrique. Presque en tout temps. Le plus possible. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Est-ce qu'on va avoir assez de spikes? Est-ce qu'on a tous nos spikes? Il en manque 5. Donc, quel bon timing. Et je vais avoir aussi assez de barbelés, semble-t-il. Il m'en reste une cinquantaine. D'après moi, une trentaine, même pas une vingtaine serait suffisant. Oh, je vais avoir un peu trop de spikes. J'en ai fait quelques-uns de plus au cas où. Ow. Bleeding. Et voilà. Fantastique. Donc nos pieux de base sont faits. Est-ce que j'entends un zombie? Rien qui bouge dans les parages. Et voilà. On va finir ceci. Fantastique. On a maintenant un peu tout ce qu'il nous faut pour la dernière ligne de défense. Ce qui va nous rester à faire, ça va être bien sûr les pieux ici. Je vais revenir à l'intérieur, ramasser ou chercher ma pelle. Oh, ça c'est un peu une mauvaise idée parce que maintenant je peux plus revenir par là. Je vais devoir faire le grand détour. Je vais devoir m'habituer d'ailleurs. Alors je vais aller chercher ma pelle pour... En fait, je vais vérifier combien de blocs il me manque. Est-ce que je les ai sur moi les cobblestones? Non. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cobblestone. Donc, 130 cobblestone qu'il va me falloir. En fait, je pense que c'est pile la quantité qu'il me reste. Mais ce sera pas suffisant parce qu'il va m'en falloir aussi pour réparer durant la horde, juste en cas d'urgence. Oh, untouched. Ah. On s'en retourne dans la maison, alors on est tous bien de tout ramasser ce qu'on trouve sur le chemin. Empty, 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 safe. Est-ce que c'est bien résistant ça, comme l'autre? Parfait. Alors, on retourne chercher notre cobblestone. Et on va se ramasser un peu de stone et la pelle aussi pour aller ramasser d'autres clés. Je vais repartir ma forge pour faire cuire un peu de métal. On va aller voir la forge au bout à gauche. On va y envoyer peut-être un 80 bois, fantastique. M'appelle qui est ici, oups. Un peu de stone, peut-être un 500. J'ai ramassé un peu d'herbe pour éventuellement faire une ferme et aussi pour planter des arbres. Parce qu'à voir la vitesse à laquelle les arbres poussent, je crois pas que ça pousse très rapidement sur le sable. Non, juste en cas d'urgence, voilà. En fait, je viens de faire un beau petit fail parce que... Ah non, il faut que j'achète de la clé qui va être au nord ici. Oh, on a un zombie. Et c'est presque raté. Oh, j'ai plus de bolt. Intéressant. Blunt. Et voilà. Les bouteilles d'eau, toujours utile. Level up. Niveau 15. Parfait. On va se faire un petit coup de shovel dans notre source de clé qui est ici. On va ramasser, je dirais, peut-être un 300. Mmh. 129.
Et voilà, peut-être un deux derniers blocs. Et voilà. Donc, je sais pas si je vais pouvoir les réparer d'en arrière ici, mais je croirais pas. En fait, les arbres qui sont poussés ici, j'ai regretté. Lorsque je les ai vus pousser, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de les planter ici, finalement. Parce que ça va cacher beaucoup de champs de vision, des zombies qui vont arriver. Alors, je risque de détruire tout ça aussi. Si possible, avoir quelques... Ah, il faut du cobblestone, là. Quelques seeds en retour. Tiens, 320. Alors, je crois que, pour l'instant, je vais commencer à placer mes pieux à l'extérieur ici. J'avais mal calculé le prix des pieux, alors je me suis rendu compte qu'ils sont extrêmement... dispendieux. Alors, je vais... En fait, ce que je vais faire, quelque chose avant. Frame... Wood... Frame ramp. On va en faire peut-être une soixantaine. Et... Corner, on va en faire 4. Et on va d'abord... Oups, c'est pas ici. On va d'abord commencer à placer... Ah, j'ai pas détruit ça ici, hors caméra. Fail. Et en plus, ma hache qui est pratiquement détruite. Dans quelques secondes. Je vais sûrement en avoir assez, par contre, pour terminer le reste. Possiblement. Donc, une petite fin d'épisode plus relax, mais qui va permettre la prochaine fois d'avoir un épisode à 100% rempli d'action. Alors, ça va être assez intense, à mon avis. Beaucoup plus de combats impliqués. Si on compare à la saison dernière avec 7 Days Alpha 14, dans laquelle j'étais plutôt passif, je dirais, en défense, cette fois-ci, on va être beaucoup plus dans le combat. Étant donné qu'on va être... je vais faire quelques frames, encore une fois. Wood frame, on va en faire 8. J'ai dit 8, mais j'ai écrit 12, tant pis. Juste au cas où il en manquait. Et voilà, on va placer tout ça ici. Est-ce que j'ai dit que j'étais perfectionniste? Je pense que oui. Voilà. Ensuite, on va transférer ça pour ça ici. Et on va juste faire comme ceci. Donc, les zombies vont être ralentis par les pieux et endommagés. Ensuite, vont grimper la rampe, être endommagés encore par d'autres pieux. Ça m'en a pris 19. Il va manquer un peu de frame, encore une fois. Ramp. On va faire un autre 25. On va mettre un coin ici. On va mettre les coins tout de suite. Ça va être débarrassé. Un autre là. Oui, des coins horizontalement. Je veux toujours avoir ça chez moi. Comme ça. Et un dernier dans l'autre coin, évidemment. Ça ici, et on place le reste des frames. On devrait en avoir amplement suffisant, suffisamment plutôt. Il manquerait, selon mes calculs, 19 ici. Si mes estimations sont précises. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va tout upgrader ça tout de suite. Ça va être fait aussi. Et ensuite, il va nous rester à placer nos pieux à l'extérieur. Et on devrait être prêt pour la horde. Il va rester quelques petits détails comme éliminer ou détruire les arbres. Côté ouest, juste pour libérer la vision. Il va rester, peut-être après la horde, on va devoir aussi détruire le bâtiment qui est juste à côté. Ou si on est chanceux, les zombies vont arriver de par là et vont détruire la maison pour moi en bonne partie. Qui sait? Mais pour ce qui est de cet épisode-ci, je pense que ça va mettre un terme à notre dernier épisode de construction avant la première horde. Alors, on va terminer avec les pieux, évidemment. Et si possible, on veut être à l'extérieur lorsqu'on termine, parce que sinon, ça va, un, nous endommager, et endommager les pieux qui n'ont pas une durabilité infinie.
Et voilà, fantastique. Ça aurait été bien d'avoir des torches à l'extérieur, mais bon. On fera ça. Je sais pas quand, mais on le fera. Peut-être au début du prochain épisode. En fait, je vais voir s'il me reste en fait des torches. Et il va falloir que je fasse ça aussi. Et voilà. What? Je les avais cancellés. Cobblestone. J'étais comme, what? J'en ai pas assez. On va faire une quantité... Un chiffre rond. Voilà. Et on va terminer les pieux. Alors, n'hésitez pas à laisser un pouce vert pour liker si vous avez aimé la vidéo. Ça donne un bon coup de main pour la visibilité. On se retrouvera la prochaine fois pour ce qui va définitivement être la horde de jour 7. Alors on va voir si on est efficace. Il va déjà devoir ne pas oublier de faire des crossbow bolts d'ailleurs avant d'oublier. Je vais faire ça. Je vais mettre ça sur ma liste en fait. Crossbow. Bolt. J'ai vraiment une liste de trucs à faire. J'ai pas assez de pieux. 1, 2, 3, 4. Spike. Wood spike. 4. Donc, je vous laisse un peu imaginer ce que ça va faire pour la fin. Je vais juste upgrader tout ça, mettre les pieux. Et on va se retrouver la prochaine fois pour la suite. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouve la prochaine fois pour la horde de jour 7. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!